Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de la bataille de Gettysburg dans Ultimate General Civil War, c'est reparti. Et hop, on avait mis une branlée assez violentissime aux troupes confédérées il y a peu. Nous allons donc nous attacher à faire en sorte que ça reste le cas. Je ne sais toujours pas pourquoi vous vous bougez, alors que je vous ai dit de ne pas bouger particulièrement, c'est assez ouf quand même. Soyons prudents. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, on peut rien faire à part attendre que les troupes adverses arrivent. Donc on, voilà, on va voir si on vitesse accélérée. Ah, donc des gens arrivent par là. Des skirmishers sont ici. Ok. Donc en fait, comment? Ça, c'est notre ligne de défense principale. Ici, là. Hop. Pied nickelé. Par là, s'il vous plaît. Ça, c'est une ligne de défense secondaire. Qui n'a peut-être pas raison d'être. Hein. Je précise. C'est parce qu'on semble quand même assez... assez faiblichon, là. C'est pas terrible. Plus on... Ah ouais, non. Non, c'est pas terrible du tout, cette histoire. Ouais, ça arrive de partout. Ouais, on va peut-être juste se tirer de là en fait. Hein. Très honnêtement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. Je sais pas. Il y a des mecs qui arrivent de partout. Ouais, non, ça arrive de partout. Faut se tirer de là. Faut se tirer de là. Ça pue. Cet endroit pue un peu. Vous savez quoi? Voilà, on va faire ça. On va se tirer. Tenir. Est-ce qu'il faut le tenir ce truc ou pas? Non, non, en fait on en a rien à cirer de tenir ce truc en vrai. Donc on va juste s'en aller. En plus on prend des coups de canon dans le cul, ça n'arrange pas les choses. On va se tirer, on va se tirer. Allez, allez, allez. On s'en va. Alors vous êtes équipé comment vous déjà? Des flingues. Pas si mal. Ouais, un petit peu en courant, non? Ça vous tente? Courir un peu, les gars. Comme ça, peut-être. Ah putain, ils tirent loin, c'est con. La vache. J'ai pas vu ça comme ça, moi. Tirez là-dessus. Masson, non, mais casse-toi, casse-toi. Faut se casser de là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, voilà, on s'en va. Les pieds nickelés. Ouais, vous à la rigueur. Ouais, vous couvrez la retraite. Par là. On va aller où avec eux? Ouais, non, mais faut aller là-bas en fait. Hein. C'est juste ça. Faut juste se tirer par comme ça. Hein. Allez, allez, allez. On s'en va. On lève le camp. On s'arrache. Possiblement en courant. Hein. En courant, les gars. On n'a rien à foutre là. C'était une idée de merde. Ah, attendez. Par contre, voilà. Vous allez quand même soutenir vite fait le truc, là. Qu'on puisse repousser ces nazes. Courez. Général. Ouais, bon, on a essayé de les aider, hein. On a essayé de les aider, on n'a pas réussi. Allez, hop. On remballe. On remballe, on remballe. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien ce que vous faites. Voilà. Vous ralentissez un peu l'adversaire. En courant. C'est pas mal. En courant, disais-je. Bordel. Donc, vous, ici. Ouais, là-dessus, 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 là-dessus. Oh putain, ce qu'on va prendre, quoi. Ici, on a un petit régiment, là,
qui prend place, histoire de couvrir, hein, c'est tout. Hein. Et absolument, absolument rien d'autre à faire pour l'instant. On peut peut-être rapprocher ici. On a de la cave. On va un petit peu la rapprocher. Parce qu'il n'y a pas d'urgence par là. Il n'y a pas d'urgence par le nord pour l'instant. Vous décalez. Po, vous allez là, vous arrêtez de courir. Hop. Hop. Par contre, ils sont en train de grimper là, et ça me fait vite chier par contre. Ça va vite me faire chier ça. Ouais, on n'a pas de position ici, ça c'est chiant. Ça, on peut pas se permettre. Enfin, on peut peut-être leur laisser à la rigueur ces lieux de... Comment dire, c'est lieu protégé, mais ça fait un peu chier, quoi. Ça fait un peu chier. Je pense que déjà par là, on peut leur faire un petit coucou. Ouais, vous par là. Vous courez? Non, vous êtes juste extrêmement rapide. Bah, je vous félicite, c'est ça. Dieu sait que c'est pas courant, vous soyez rapide et compétent. Allez, feu. Là-haut, pour l'instant, tout se passe très très bien. On va peut-être essayer de faire quelques mouvements avec la cave. Vous déchargez, les gars, ou vous déchargez pas? Vous déchargez pas trop, hein. C'est un peu la tristesse, non? Ok, nickel. Vous êtes de la cave de corps à corps, vous? Ah ouais, c'était pas le but. Je pensais que vous alliez tirer puis vous tirer. Bon bah, ok, bon bah, c'est pas grave, hein. C'est une cave. Retirez-vous. Je suis très fier de votre courageuse intervention, les gars. Cependant, vous avez réussi à les faire fuir. Putain, ils sont tellement nazes. Impressionnant. C'était impressionnant ce que vous avez fait, les gars. Ça n'était pas, pas voulu, mais quand même. Comment ça se passe, là? Ouais, ça se passe... C'est pas génial, hein. Il y a des gens qui essayent un petit peu de nous prendre à revers. On n'aime pas trop ça chez nous. Cassez-vous. On va envoyer le général Piton. Bliston, plutôt. Blizoton. Putain, on va pas arriver à le dire. Oui. À l'assaut. S'il vous plaît. Se débarrasser de ces merdes. Hop. Là, ça tient pas trop mal pour l'instant. Hein. 92% de def ici. Peut-être tenter des choses par là. Nickel. Alors, par contre, les Little Pony, vous allez vous tirer parce que dans la forêt. C'est pas conseillé d'être à cheval. Ah, regardez qui est là. Artillery Spotted, comme on dit. Avec un bon accent. Non, par là les gars, par là. Ils ont pas eu le temps de charger, ils ont pris un coup de canon et ils ont fui. Bon, c'est vraiment pas de chance. Enfin, c'est pas que c'est pas de chance, c'est vraiment pas de compétence surtout. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça.
Vous tirez. Et vous tirez. Vous pouvez revenir, Reigns, s'il vous plaît. J'en serais très heureux si vous pouviez revenir. Ok. Tant qu'il tourne normalement. Ici on est exhausted. Bah, arrêtez de courir les gars. Arrêtez de courir tout simplement. Puis vous arrêtez de bouger également. Restez tel quel. Vous êtes pas mal. Ça massacre plutôt bien. On a encore quelques régiments qui arrivent. Vous, ce que vous allez faire, ouais, c'est tenir les positions, s'il vous plaît. Nickel! On va s'occuper de l'autre régiment maintenant. Charge. Voilà, charge de cavalerie. Nickel. Vous holdez. La cave qu'on vient d'avoir, elle est où? Elle est à Stark, elle s'appelle. Par là-bas, s'il te plaît. J'aimerais savoir ce qui se passe. On a quelques canons qui arrivent. Je pense que cette crête est tout à fait indiquée. Mais alors, tout à fait. Faut y aller les gars par contre. Allez, la charge. La fucking charge, allez. Bon, c'était pas une charge, mais au moins vous êtes engagé, ce qui est déjà, c'est déjà pas mal. La position là est pas énorme. On va peut-être plutôt se mettre un peu comme ça. Un peu comme ça. Eux, on leur a filé des flingues, des vrais, on dirait, non? On dirait. Eh ben écoutez, il semblerait que personne ne vienne par là. On va continuer de contourner la zone. Putain, merde, on a été flanqué par les skirmishers qui se trouvaient là-dedans. En fait, comme ils prennent toute cette zone, j'ai pas la notion de la profondeur du truc. C'est bien relou. Du coup. Ouais, parce que du coup, ils ont été éliminés, non? Ouais, ils ont été éliminés comme des caca. Ouh, attention. Il y a du monde là. On ne souhaite pas avoir des problèmes. On n'a pas spécialement d'endroit où on pourrait intervenir avec cette cave pour l'instant. Ah,
rigueur, ce qu'on peut faire, c'est mettre pied à terre. On peut pas mettre pied à terre. Bon bah ne mettons pas pied à terre. Non. Non, 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 non. Il y a encore ces 860 hommes là qui font chier. Cassons-nous, cassons-nous. Ah bon, nous sommes en grand péril? T'es sérieux? Pourquoi? Pourquoi nous sommes en grand péril? D'autres confédérés attaquent par les bois. Il semblerait qu'il s'agisse de la division d'Anderson. Ah bah mince alors. Notre objectif principal reste inchangé. Nous devons protéger toutes les crêtes au sud de Cemetery Hill pour empêcher l'ennemi de nous encercler. Ok. Bah, pas de problème. Pas de problème, mec. Vol de supply. Non, vol de supply, j'ai dit. Merci. Charge. Alors ok, charge. Charge de merde, mais charge quand même. Ouais, on commence à avoir des problèmes de munitions par là-bas. Et des problèmes également de... comment dire, bah, de nombre de troupes, tout simplement. On commence à galérer un peu. Ça a l'air de tenir. Là-bas, j'ai toujours pas vu la couleur d'un enfoiré. Ok. Ok, donc ça, ça a été défait. C'est nickel. On va faire ça comme ça. Toi, tu montes par là. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te replier parce que tu n'as plus de munitions et c'est du coup compliqué à tenir comme position. Tu peux, je pense, aller là-bas. C'est bon, c'est bon. Non, pas vous, putain. Vous, oui. Mais vous, non. Ah. Abruti. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes des renforts. Une bonne nouvelle. Et j'avoue. Ici, on va donc capturer ça. Capturer ça, disais-je. Nickel. Allez, hop. Hop. Et la cave va revenir par là. Ça, ça pique parce qu'on n'était pas encore à couvert quand ils ont commencé à tirer. Donc ça pique sérieusement. Ici, on est encore qu'à 54%. C'est pas super. Ah si, ça s'attirait. C'est bon, arrêtez de bouger, c'est pas la peine. 91%. Ok, nickel. Bon, donc les caves. Les caves vont pouvoir peut-être tenter des mouvements, ici ou là. J'aimerais bien pouvoir les repousser, eux, en fait, mais... monte pas vite, ce supply, dites-moi. Vraiment, vraiment pas vite. Il y a encore un supply, là-bas. Toi, j'aimerais bien que tu ramènes ta fraise par là. Ici, on se fait assez saucer quand même, hein, avec ce régiment qui a l'air assez balèze. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contourner, d'aller chercher encore l'artillerie qui se trouve là. Je peux avancer. Putain, ils ont plus de balles. Bah écoutez, c'est nickel que vous ayez plus de balles parce que justement des balles, on en a trouvé. Les pieds nickelés. Vous pouvez tirer depuis là ou pas? C'est quoi votre portée, les mecs? Non, bah non, vous pouvez pas tirer parce que vous avez des armes un peu pas adaptées. Ici, on se fait saucer. Vous tenez la position jusqu'à ce qu'on vous relève. Et très honnêtement, il est fort probable qu'on ne vous relève pas. Vous. J'aimerais
que vous traîniez là. Ouh putain. Là faut se tirer. Alors là par contre faut charger. Toi tu peux te tirer. Tu peux te tirer, faut se tirer, faut s'en aller. Là quand t'as des mecs qui arrivent par le dessus comme ça, là il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'en aller. Et typiquement, c'est plus ou moins maintenant. Vous c'est pareil, hein. Vous c'est pareil parce que vous allez vous retrouver en première ligne. Ce qui n'est bien évidemment pas souhaitable du tout du tout. Ici ça se passe comment? Ici ça se passe pas trop mal. Ici on a été chopé ce qu'on voulait choper. On va essayer d'aller chercher le supply qui se trouve là. Ouais. On s'en va. On s'en va. On va se poser là, ouais. Ouais ça me semble bien. Là-haut, il y a eu une tentative d'assaut, mais vu comme nos murs sont faits, il y avait assez peu de chances que ça se passe bien pour eux. Ici. Ici. Ouais, chier ça de laisser ça ici. Voilà, on fait ça comme ça. Là ça se passe comment là? Là on prend des tirs dans le cul quand même. C'est pas grave. Enfin c'est pas grave. C'est pas fondamentalement grave. Ici on va chercher supply, on a pris une petite volée de plomb. Est-ce que vous pouvez aller chercher ce putain de supply, s'il vous plaît? Nickel, merci, maintenant cassez-vous parce que j'aime pas prendre des tirs pour pas un rond. On va essayer peut-être d'aller aider là. Là-bas, là où ça tient, hein, on a vraiment aucun problème. C'est ici que c'est toujours un petit peu tendu parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Les supplies, on peut en envoyer un là-bas peut-être. À faire tenir tout ça, mais bon, ça pour l'instant ça tient plutôt bien là, hein, j'avoue. Les pieds niqués. Ah, l'armée du général Tiberians qui débarque, le premier corps, la garde d'honneur. Alors, les gars, comment ça va se passer maintenant? Hein, comment ça va se passer pour vous? À part mal, je veux dire, en avant. No! Nous allons reperdre un supply. C'est malheureux. C'est très très malheureux. Vous. Plutôt dans ce sens-là. En courant. Vous. En courant également. Plutôt comme ça. La brigade Hellfire, elle va rejoindre Pittsburgh ici aussi. Ouais non, cassez-vous plutôt pour voir. Cassez-vous. Ouais voilà. Aller se casser. c'est plus ou moins ce qu'on avait essayé de vous dire. Bon, c'est pas grave. On va vous mettre plutôt par là, puis attendre que tout le monde soit arrivé. C'est bon. De toute façon, avec les renforts qu'on vient d'avoir, normalement. La Big Red One, en avant. L'Iron Brigade, en avant. Je veux ici, les gars. Alors comment ça se passe maintenant? Hein? Bande de nazes.
Ça commence à être compliqué pour vous, non? En avant, en avant. Ouais, faites feu, pourquoi pas. Les pieds nickelés. Vous avez fait le taf. On arrive maintenant. Ne craignez plus rien. En avant. Arrêtez de courir les Badgers. Arrêtez de courir également. L'Iron Brigade, ce n'est pas nécessaire. Oh là 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 là. Les Big Red One. Ils ont envoyé une salve. Ils les ont défoncés. Littéralement défoncés. Les Badgers, allez chercher ça s'il vous plaît. Allez. Alors, c'était ça votre attaque de Pittsburgh, chers amis. Sachez que je suis extrêmement déçu par votre, comment dire, la piètre résistance que vous opposez. Les Little Pony. Chargez-moi ça. Allez, en avant. Ouais, effectivement, ici, ils sont quand même plutôt bien. Comment dire? Ils sont plutôt bien cachés, quand même. Pour pas dire le contraire. Où est passée cette microscopique et misérable unité? Elle a disparu, c'est ça? En avant, les gars. Ici, on va aller chercher Longstreet. La Big Red One, ici s'il vous plaît. Les Badgers ont quand même quelques petits problèmes. Général en avant. Ouais, ces skirmishers sont assez ennuyeux. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on peut nous-mêmes aller chercher un truc là-bas, non? Allez-y en courant pour voir, les gars. Stizen. Prenez la place de des enfoirés d'à côté. Et là c'est pareil, on peut complètement aller chercher des trucs en fait, c'est ouf ça. Chargez, chargez. Non, chargez plutôt. Voilà. Feu. Feu. Ah bah oui, hein, du coup, forcément. Page. Ulek, s'il vous plaît. Intervention. Il reste un régiment. Ici. Voilà. Alors, la mission, c'était de tenir, c'est ça? En avant, en avant. Il est temps de contre-attaquer. Nos régiments ici, oui, on a éliminé les fuyards, c'est parfait. D'ailleurs, pour éliminer les fuyards, nous avons également eux, qui je pense seront tout à fait indiqués, ainsi que les mammouths. Mais, oula, Real North, attention quand même, t'es équipé comment? Ouais, t'es équipé pour les trucs en mêlée, bah vous savez quoi? J'ai envie de dire que c'est une bonne idée. Yulek. Ouais, je sais, là par contre c'est la guerre. Là par contre c'est la guerre. Je les avais pas vus, c'est con. Donc je m'attendais pas à ce qu'ils soient si nombreux. Ouais non, il y a des gens cachés encore. Reculons, reculons.
Tenez la position, ça va suffire. Vous pouvez me chasser ces putains de... de skirmisher ou pas du tout, les gars? Parce que là, jusque là, c'est pas... c'est pas ouf, hein, ce que vous faites, hein. Ouais, on a capturé les skirmishers, nickel. Là-bas, on prend des coups de canon, j'aime pas bien ça. Ok, d'accord, ils sont là en fait. Il en reste un peu quand même. Bon, on va pas avancer plus que ça parce que c'est pas notre mission, mais du tout. Donc vous cassez-vous par contre. Ouais, vous cassez-vous aussi, ça n'est pas nécessaire. Tout ce qu'on veut, c'est être sûr de les avoir repoussés. Et basta quoi. En gros, c'est ça le plan. Ici, c'est bon. Ici, vous êtes à 85% de def. Les Blue Eagles, vous n'avez pas assez de def par contre. Donc vous n'avez pas intérêt à vous trouver ici, mais du tout. On se casse. Voilà. Et il reste 59 minutes et ils l'ont dans l'os. Concrètement dans l'os. Non, mettez tout ce que vous avez sur eux là, parce qu'en fait ils commencent doucement à me courir. Balancez tout là-dessus là. Ok, donc là les skirmishers devraient éclater. On a un délai très très bref. Par là, vous. Nickel, donc là ça a été mis en déroute. Les Black Rattlers, est-ce que vous pouvez tuer le général Longstreet? Grosse question, est-ce que vous pouvez? On le saura jamais. Est-ce que vous pouvez arrêter de tenir la position et attaquer ça par contre? Vous êtes à 88%. C'est pas facile, hein. Ils sont solides, ces cons. Ici, on a... ouais, d'accord. Je vois. Non. Cassez-vous. On va se casser gentiment. Là, c'est pareil, on va se casser. Inutile. On les a repoussés suffisamment. Inutile de prendre des risques. Pour rien. On s'en va. Allez hop. Oh, ils sont solides, ces cons. On va passer en vitesse genre très très accélérée. C'est bon, de toute façon. Il reste plus grand chose à faire. Ils font jeu égal, hein, c'est chiant. C'est très 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 chiant. C'est vous. Je me permets pas de perdre plus de 100 Black Rattlers. Trop cher. Beaucoup trop cher à racheter ensuite. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant.
Oh, on les a humiliés. Humiliés. Oui, on va terminer, oui, bien sûr. Kulpsil essuie une attaque. Oh putain, vous êtes sérieux? Encore? Mais on est 59 000, ils sont 13 000. La majorité de nos réserves défendent notre flanc gauche. Et Cups Hill est très peu défendu. Seules les réserves de notre premier corps d'armée défendent actuellement les parapets. Bien que la colline soit très fortifiée, elle est désormais vulnérable contre une attaque du corps d'armée d'Erwell, qui recourt à des feintes et diversions depuis ce matin. Il va sans doute entrer en scène maintenant. Bah écoutez, nous par contre, on va rendre l'antenne maintenant, parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on tourne. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour ce que j'espère être la fin de la bataille de Gettysburg. Allez, bye bye!